Hey, yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation, notre petit village médiéval. J'ai arrêté la dernière fois sur un petit problème de mauvais temps. Apparemment des revenus qui sont un peu bancals. Construction libre. Construit. Ah, mais regardez ça. Ça y est, on a fini. Ouais. Franchement, parfait. Quand la condition implique doit faire partie de la construction inclue dans grande salle. Alors, ça fait partie de la grande salle, non? J'ai la condition qui est pas. Oh, la balance journalière, elle pique. Vraiment falloir vendre des choses, mes amis. Hein. Voyons. Ça fait pas partie du. Grande salle, mon petit. Ouais, mais si. Je comprends pas. Partie de la construction inclus dans grande salle. Grande salle. Oh non, me dis pas que je l'ai pas inclus dans grande salle, que je l'ai inclus dans autre chose. Merde, moi. Alors là, j'ai une grande salle en plus, là, je suis sûr, je le sais. Ah, c'est toujours bancal. Il y a un truc là, j'ai peut-être pas compris. C'est d'un bancal tout ça, mes amis, je vous le dis. Alors oui, on va essayer de comprendre pourquoi tu n'es pas. Parce que quand même. L'élément coût d'entretien du bâtiment est diminué de 50%, c'est quand même pas mal là. Si je pouvais diminuer l'entretien, gagner 22 d'or à chaque fois. C'est vrai que je serais preneur. C'est vraiment. J'ai vraiment échangé une valeur que de 3 avec Davenport. Bref. Je ne sais pas pourquoi ma construction libre ne veut pas fonctionner. Je veux dire. J'aurais dû le faire là, c'est ça? Attendez. Attendez, 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 attendez. Je me dis, bois, que j'aurais dû faire ça. Que j'aurais dû faire ça. Non, je peux même pas la placer. Ah, j'aurais dû faire comme ça. C'est terrible. Je la referai. Avant, j'ai deux statues à foutre là. Foxy qui s'en charge. Vraiment falloir se mettre à vendre là, les amis. Hein. Non, non, c'est pas une blague là. Ça commence vraiment à pas devenir une blague. Hein. J'ai trop fait là sur les quantités, c'est ça? Oh, les quantités par contre que je peux lui vendre. Impressionnant. On a toujours du blé à gogo là. Les moulins qui fonctionnent au ralenti. Tu me diras les meuniers là, ils sont. Pourquoi j'ai deux roturiers sur le moulin avant? C'est quoi le délire? Je comprends pas. Ah, purée, la zone résidentielle elle est petite ici. Hein. Aïe aïe aïe.
Allez, mais... Ouais, c'est le temps que ça calcule... Ça prenne en compte que je lui ai demandé de jarter les... Ouais. Là, c'est trop petit. Faudrait que je fasse un agrandissement par là, mais au niveau des terrains. Ouais, c'est con, j'ai pas assez de place. Ouais. On va changer quelque chose alors. C'est que là, on va retirer l'extraction. Ah merde. Désolé les gars. On va retirer l'extraction. Là, on va remettre de la résidentielle. Et là, on va mettre full résidentielle. Bon, alors là, si je peux vous dire, ça devrait construire vite. Ah mince, j'aurais pas dû retirer l'extraction. J'aurais dû. Par contre, on va se calmer là sur sur ce côté-là. Extraction. Non, non, je vais la remettre. J'ai peut-être un peu fail, mais bon. Non, non, par contre, là, vous allez pas. Voilà, donc ici. Mais non, 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 mais non, mais pas en automatique. Tu vas me refoutre un meunier. Mais non, mais tu. Là, tu vas pas me refoutre un meunier, tu vas surtout me refoutre un roturier, toi. Ah, quelle idée, toi, t'y vas. Toi, tu dégages. Oh non, c'était le bon. Oh non, j'ai fait dégager le bon. Elle le garde. Ah, et puis le bon, il se barre vite, hein, par contre, hein. L'autre, il met 20 ans, mais le bon, il se barre vitesse grand V. Hein. Dégage, dégage, dégage. Chut. Je veux pas te voir. Je veux pas te voir. Pars d'ici. Et Domenga, tu es serre. Allez, vas-y. Ok. Oh, c'est compliqué là. Un émissaire, ok, une audience. Qu'est-ce que tu me veux? Ouais, c'est bon. Tiens, voilà du houblon. De toute façon, je m'en sers pas encore. De la farine. Ok. Ah, le blé, voilà. Le blé, il a l'air d'être... de se moudre plutôt correctement. Est-ce que l'agrandissement du village ici... Attends. C'était où l'agrandissement? Où est-ce que je l'ai fait? Ah oui, mais attends. Rebroisement. N'importe quoi. Reboisement. Ici. On retire. Et là, bah, ça devrait aller. Bon, ça devrait être ok, quoi. S'ils veulent s'installer là, ils auront la place. Alors, au niveau des échanges, 42. Ok, alors. On va faire deux fermes à blé. C'est vrai qu'on avait... besoin de ça. Et les brasseries, on va pouvoir attendre. C'est pas la priorité. Ah oui, on faisait les fermes à blé justement pour la brasserie. Ça produit. Je produis des outils là? Ok, bah attends, on va pouvoir les vendre. C'est déjà le cas. Ok. Taverne. Oh oui, la taverne. Exemplaire atteint, waouh. 140! Oh la vache. Grande salle. Sur les forges. Je vais commencer avec un village et on a les chances de faire un tapis. Oh, c'est pas mal ça. Mais ça, on sait pas. Oui, alors.
Au niveau de la taverne, donc j'avais fait un salon public pour la fréquentation. Il me fallait un comptoir de service. Je vais pas me faire chier, je le fous juste. Alors? Je peux pas le mettre juste derrière, genre? C'est quoi ce délire? Bah! Non, mais très bien, très bien, très bien. N'importe quoi. Non. Alors, je peux le coller à une maison. Non, mais. Je peux le coller à une maison. Je peux le coller à une maison, mais je peux pas le coller à son propre bâtiment. C'est dingue, ça, c'est taré quand même. N'importe nawak, on aura tout vu. Bon, comptoir de service. On va faire le deuxième truc de taverne ici, là. Bah oui, il n'y a pas de porte. Putain. Bon, construire, hein, pas le choix. Et on va faire un truc pour de la bière là. Brasserie de B, non, brasserie de B, on s'en fout. Hop, ok, c'est bon. On vendra que de la bière ici, que de la binouze. Et au moment où il y aura quand même que là, je la stocke, la binouze. Voilà, la bière. Et viens, tu bois un coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Ah. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Oh. Pénalité sur le rang de non-exclusivité entre tiers états et clergé est diminuée. Je sais pas ce que ça veut dire. Je comprends rien à leur truc rang de non-exclusivité. Je vais essayer de la mettre, ça peut faire en sorte que le clergé pleure moins parce que... Ah oui. Ah oui, bah c'est ça. Pénalité de non-exclusivité. Ah oui. C'est vrai que le... Ah ouais, d'accord, c'est ça qu'il voulait. Aïe, oh là là, quelle bande de jaloux. Allez, on va y assigner, on va faire attention de bien avoir que des serres. Dessiner un champ. Ça devrait être pas mal. Et ici, pareil. Hop, on dessine le champ comme ça là. Impeccable. Ok, on a de plus en plus de baies de poissons. J'avais peur qu'on en produise pas assez, mais ça a l'air d'être correct. Ouais, on va voir qu'est-ce que ça donne ici. Il y a une statue, j'ai l'impression, qui a été mise. Ouais, bien joué Foxy. Tu as mis une statue. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un deuxième. Deuxième atelier de construction ici. Oh la vache. Ça picote hein, quand même hein, les revenus. Bon, au moins tout le monde est heureux, tout le monde a assez à manger pour l'instant. Le fait d'avoir augmenté le nombre de types de nourriture a bien aidé. C'est quoi là, je vais vendre des bougies aussi. J'en ai un peu en rab, autant les utiliser. Hein. J'en ai 8. Un peu. J'ai vraiment dit un peu. Facile. J'ai des troupes. 5,
6, allez, on va vendre 6. Ici, facile, pareil. Hop, moyenne. On envoie le reste. On a deux nouveaux arrivants. Parfait. Qu'est-ce que t'achètes, toi? Un Davenport. Un Davenport, à part acheter des outils et du pain, je peux pas te vendre grand-chose. De la bière? Oh, tu achèteras de la binouze. Ouais, ok, Davenport, là, vraiment qu'avec des outils. Je dois en avoir quelque part des outils, je sais pas où. Bah non, pas dans le grenier quand même, faut peut-être pas déconner. Ici, très bien, il y a des outils là à vendre. Ne me dis pas qu'il m'en a pris aucun. Hein. Il m'en a pris aucun. Il achète des outils, j'en ai 191. Ah mais est-ce que c'est 191 en stock? Bah j'en ai 191 en stockage. Pourquoi il a pas voulu en acheter une? Et normalement je dois être bien être en vente à 100, non? J'ai bien mis ça. C'est où les outils? Outils. Ah! Non, mais il y a eu un petit loupé. Ouais, c'est bon, je comprends. J'ai avoir besoin d'un citoyen supplémentaire. Donc, félicitations à. Ah. Attendez. Statut. Félicitations à. À Foucault. Voilà, tu passes de boulanger. Ah merde. Bah ouais, en fait, attends, Foucault, tu vas attendre parce que j'ai pas le. J'ai pas l'argent. J'ai clairement pas l'argent pour améliorer ton rang. Ça devrait arriver là avec les ventes des outils que je vais pouvoir faire prochainement. La stockage 300. 225. Ok. Ah, j'ai moins de sangliers d'un coup. Beaucoup, beaucoup moins de sangliers. Donc félicitations Foucault, tu viens d'être promu. Hop, donc tu vas quitter ton métier de boulanger et tu vas devenir toi aussi un maître d'œuvre. All my congratulations. Toutes mes félicitations. Voyons voir. Il va falloir te remplacer en tant que boulanger. Tu as été un très bon boulanger. Boulanger à maître d'œuvre, quand même. C'est la classe. Apparemment, tu tiens encore un peu trop à ton métier de boulanger. Ah, chef d'œuvre construit. Alors, dis-moi que, que là, il fait bien partie du machin. Quand la condition est remplie, aucune. Ok, bon. Effectivement, la condition est remplie. Il n'y avait pas de problème, la condition est bien remplie. Ouais. Alors, un marchand, qu'est-ce que tu me veux? Tu veux du bois? Prends ton bois. C'est fou ça. Ah! Attendez, je l'ai vu, boulanger, voilà. J'avais des boulangers, j'ai des boulangers, exprès, enfin j'ai des roturiers, je veux dire. À devenir boulanger, c'est parfait. Oh zut, j'avais les sous et là j'en ai plus. Qu'est-ce que tu me veux, l'émissaire? Organisons une foire aux poissons. Oh bah oui, là tu vas être content.
vu toute la pascaille qu'on a. Ouais, on va refaire ça. On va refaire ça parce que la condition n'est pas remplie, c'est nul. Comment ça, toutes les parties du manoir? Non, 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 non. Oh la vache. Oh, j'ai flippé. Clergé notable atteint. Non, mais. Ils sont en train de se tirer la poire là parce que j'ai démoli un lanceur. Ils sont plus contents. Non, mais c'est. N'importe quoi. N'importe quoi. Ils sont contents parce que j'ai. Non, mais. Quelle bande de jaloux. Quelle bande de jaloux, je te jure. Bon, grande salle. C'est peut-être un peu grand là, ouais, ouais ça faisait un peu grand. Ouais, on va le mettre comme ça. Il était pas plus haut la dernière fois? Là, il me paraît quand même être en plein milieu là, c'est pas. Ah oui, d'accord. Merde, bah non, mais c'est que c'est pas la bonne. Ah oui, voilà, c'est que c'était pas la bonne. C'était pas la bonne fondation, c'était pas la bonne construction. Hop là. Alors, on va refaire ça bien. Attendez, il faut pas. Pas se presser, machin. Donc là, les quatre petits sur les bords. Tac. Tac. Là, le bien gros milieu, mineur, hors statut, allez, une dame à la hache. Tu sais quoi, ça va être un monument aux dames ici, voilà. En l'honneur de nos dames, et on fera un monument plus tard en l'honneur de nos hommes. Conseil promotion du monastère. C'est une grande salle, promouvoir une nonne vers statut suivant. J'ai pas de grande salle là-dedans. Ah non, j'ai pas de grande salle. Ah, pour pas avoir de grande salle, j'en ai pas des grandes salles. J'ai pas dû débloquer encore le truc nécessaire. C'est ballot quand même. Alors, au niveau du fromage, ça augmente. Je vais avoir besoin d'encore en fromager. Hein. Ah, là, ça vient de changer de couleur. Là, on est d'accord, je suis pas fou. Je vais avoir besoin d'encore de fromager parce que j'ai pas assez de lait. Ma question, c'est si je mets un fromager là, est-ce qu'il va, il va réussir à produire? Je vais essayer. On va voir, on va voir. On fait des tests, c'est comme ça qu'on apprend. Fromager. Il est où le fromager? C'est ça là? Yes. On va mettre le fromager là. Oh, c'est cher aussi ça, j'avais tapé ça. Là ça fond pas mal d'or, 3 charbons et 6 minerais d'or pour un magot d'or, oh la vache. C'est pas donné. Hein. Bon. Je peux acheter de l'eau, super. Ok les vêtements on n'y touche pas, ça. Ça c'est bon, pas besoin. Pierre taillée, ouais, outils c'est bon. Viande. Viande on va pas y toucher. Bah de toute façon il y avait rien. Parce que j'ai l'impression que j'en perds de la viande là, je suis pas sûr mais. Fer, oui, minerai d'or, ok, 200, c'est bon. Marbre. Ok. À nouveau, oh là, ça me fait peur à chaque fois. Ouest militaire, ah, très bien. C'est positif. Ça change. Qui es-tu?
pas pu acheter de poisson, toi? Ok. Visiteur ravi. Oh, ça c'est bien ça aussi. Eh, tu vas pas me dire que tu vas me choper mon poisson ici, toi. Hein. C'est hors de question. J'espère que t'as pas chopé de poisson, toi. Ah, c'est bon. Parce que j'en ai déjà pas les masses. Alors si en plus on me le vole. J'avoue que j'aurais pas apprécié la blague. Mon sens de l'humour a des limites. Effectivement, les statues, ça prend un peu de temps à faire. Ah! Petite bière! Chut. Voyons voir, voyons voir. J'ai pas des sans-emploi là? Il doit y en avoir des sans-emploi quelque part. Voyons, 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 c'est où, c'est là. Tac. Travail. Oui, j'ai le fameux petit problème. Couturier. Voilà, félicitations. On va servir de la binouze, les gars. À boire. À boire. Attends, tu viens chercher tes outils, c'est parfait. C'est bon, il est passé devant, il a snobé le truc, lui. Ah, parce que j'ai pas de baie. C'est dingue, ça, il est toujours vide, celui-là. Alors, à part pour le pain, il est vide. Quand il faut que je... Produise plus de baies. Attendez, mon B et mon poisson, il a diminué là, je suis pas fou. Ah, mon B, mes B. Mon poisson, il galère, j'ai l'impression, surtout à. Et ouais, il y a plus trop là du poisson. Il va peut-être falloir que j'aille trouver un autre endroit où. Où aller en pêcher là. J'en ai un là, deux là. Mandat. Bah, j'aimerais bien, mais on est deux là du poisson, ouais, c'est pas des masses. Hein. Je regarde si j'en ai pas autre part vite fait. Non, non, j'en ai pas vu d'autres. Ça va être tendu là parce que si j'ai pas plus de poissons, ça va être galère. Là là. Là là, bah dis. Parce que là, je les vends même pas en plus. J'ai pas un bonus de prod. Je préférais avoir un bonus de production de poissons, là, j'avoue. Non mais c'est parce qu'ils sont ils sont expérimentés, c'est ça? Ouais, ils commencent à être expérimentés donc ils pêchent mieux. Donc là, en théorie, il est censé s'arrêter là et acheter un peu de poisson. Il en a rien eu à foutre. Il en a rien eu à foutre. Il... Ouais. Il a acheté son poisson là, c'est ça? Même pas, mais il en, mais tu vois qu'il est... D'accord, ouais.
Ouais, il fait tous les entrepôts, c'est bien. Il fait même pas tous les entrepôts, mais il en fait une partie. Et tu fais zéro grenier par contre là. Donc il y en a juste pour les greniers, il y en a juste pour les... Pour le reste, ça? Des commerçants de greniers et des commerçants d'entrepôts, donc il y a pourquoi pas. Ok, il a fait un entrepôt. D'accord, en fait ils les font pas tous, ils en fait quelques-uns comme ça. Ah, Salator, ah, c'est terrible. Ouais, il faudrait un truc pour un peu mieux gérer tout ce bazar. Niveau B là, pardon, compte, je suis vraiment pas bon. Hein. J'ai modifié le bâtiment et là je vais faire un truc des. Je vais agrandir les jardins monastiques. Je vais faire ça bien. Non, non, quartier. Je fais double grand quartier rustique et je veux un bal de producteurs là. Hop là. Ah oui, mais attends. Non, c'est j'ai déjà des jardins monastiques. C'est ça. Donc là, si je continue la construction. Grand quartier rustique. Putain. Ça fait quoi ça déjà? Meilleur considérablement l'attractivité résidentielle de la zone A. Ok, ouais, bon, on va faire des jardins monastiques ici. Hop là, putain, voilà. La taxe mystère, on en saura plus sur la taxe mystère bientôt. En tout cas, je vais arrêter l'épisode d'ici pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. On a un peu le gouffre financier en ce moment, mais sinon ça va. On avance tranquillement. Mais il va falloir penser à produire plus de poissons et de baies. Parce qu'on la baie, voilà, ça va être ça va se faire avec la. Comment ça s'appelle? Avec le monastère, par contre, le poisson, c'est tendu. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. C'était Thiob.